Hey, salut tout le monde, c'est Zogma. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une petite partie solo de Legendary Encounters, le jeu de euh, je ne sais pas qui c'est, Danny Mandel et Ben Sikoski. Je ne sais pas par qui c'est illustré parce que j'ai pris que le dos de la boîte, parce que sinon toutes les cartes vont se déverser et je n'ai pas envie. C'est un jeu de deck building uniquement sorti en VO qui a maintenant quelques années. On se retrouve tout de suite pour une partie sur le troisième film et puis on se retrouve en fin de vidéo pour mon avis sur le jeu comme d'habitude. Bon visionnage. Allez, c'est parti pour Legendary Encounters. On va donc parler de Alien. 3 le film Alien 3 j'ai tiré un personnage aléatoire qui est le scout l'éclaireur je commence avec un deck de départ de 13 cartes 12 même cartes pour chaque deck et puis une petite carte spéciale pour le scout alors j'ai tiré aléatoirement finalement je m'en sors bien parce qu'il est plutôt il est plutôt cool on va avoir trois objectifs à valider une fois qu'on a validé les trois objectifs on a gagné et eh bien la mission premier objectif ça va être de trouver les deux frères disparus et de les secourir s'ils sont toujours en vie s'ils sont morts et eh bien on passe directement au deuxième ça c'est une carte qui nous indique qu'on est au niveau du Fiorina Fury 161, c'est notre lieu, ça va nous permettre en fait de jouer, d'avoir l'action des cartes euh, dangers qui vont apparaître au cours du deck. On a ici, je vous le mets, je voulais juste que vous voyez le beau dessin, la hive, la ruche, on va avoir les ennemis qui vont apparaître petit à petit, d'abord au niveau du conduit de ventilation, puis euh, de la station pluie, etc. On va pouvoir scanner ces salles en dépensant de l'attaque. Parce que ces cartes seront face cachée. On ne sait pas les dangers qui vont être dans les salles. On va devoir les scanner pour éventuellement supprimer ces dangers avant qu'ils apparaissent dans la zone de combat. Parce que petit à petit, ces cartes vont se déplacer, les aliens vont apparaître et dans la zone de combat, là, ils vont forcément être révélés, ils vont forcément nous attaquer. On va bien sûr pouvoir dépenser de l'argent pour acheter des nouveaux équipiers pour aller eh bien, dans notre deck qui est ici. Ils iront forcément toujours dans la défausse. Et puis la grosse particularité de ce jeu... C'est que les ennemis vont nous attaquer quand ils seront dans la zone de combat, mais on ne sait pas exactement quels dégâts ils vont nous faire. Ils vont nous infliger des blessures, des blessures qui sont symbolisées par ce deck. Donc, des fois, on peut avoir des grosses blessures bien sales, comme des fois des blessures toutes douces, ce qui fait un petit peu le fun et l'aléa de ce jeu. Puisque les règles sont assez simples, on pioche au début de notre tour 6 cartes, c'est même à la fin du tour précédent, mais on commence avec une main de 6 cartes. On rajoute la première carte ici. Niveau du conduit de ventilation, et puis s'il y avait déjà une carte euh, ici face cachée, eh bien on l'a poussé. S'il y en a une qui est tout au bout qui est poussée à l'arrivée dans la zone de combat, elle est révélée. Et puis je vais avoir ma phase d'action. J'ai mes six cartes. Vous voyez que et eh bien j'ai trois types de cartes. Hop, tant pis, on rajoute la lumière, même si ça fera des petits reflets, mais euh, on en a quand même besoin. On a plusieurs types de cartes. On a ces cartes là qui sont des cartes avec des étoiles qui vont permettre et eh bien de recruter une étoile et eh bien, un point. On voit ici que celle-ci coûte 5 points, 4 points, 6 points, 5 points. On a des cartes comme ça avec des petites griffures. Ce sont les dégâts que je vais faire. Soit des dégâts directement sur des cartes ennemies ou pour scanner. Hein. Si j'ai 4 cartes comme ça, je peux scanner cette carte-là et la révéler. Et puis, bah, j'ai pioché ma carte. Ma carte à moi. Elle est vraiment cool. Je vais la jouer tout de suite. C'est écrit Draw a card. Et eh bien, je pioche une nouvelle carte. Ça sera un autre dégât. Et une fois dans son tour, je peux scan, scanner n'importe quel room. Et eh bien, c'est la première carte que je vais jouer. Et vous allez voir que eh euh, l'ordre des cartes va avoir une petite importance parce que sur les cartes qui sont affichées ici, eh bien, vous voyez notamment celle-ci. Que si j'ai déjà joué un personnage avec cette icône-là, alors cette icône-là, on la voit ici, ce sont les personnages finalement du troisième film, et eh bien je peux activer ce bonus. Il faut d'abord que j'ai joué une des premières cartes. Et donc on va devoir choisir un petit peu l'ordre du tour. Donc une fois par tour, je peux scanner n'importe quelle roue. Et eh bien on va scanner la première, hein, c'est la seule. Tant mieux parce que c'est une salle qui normalement me coûte 4. Donc c'est le Xenomorph Runner. Si la carte est dans le complexe, on lit ici, au début de chaque tour, eh bien, elle va se déplacer d'une carte à la gauche. Elle va courir, elle va avancer un petit peu plus vite. Tant qu'elle est ici, et eh bien elle me fait aucun dégât. Mais dès qu'elle sera ici, eh bien, elle me tirera un dégât, une carte strike par tour. Alors désolé, hein, j'ai slivé toutes mes cartes importantes dans les deck building, du coup il y a des reflets, ce n'est pas toujours terrible. Mais en attendant, je sais qu'elle a 4 points de vie. Si j'arrive à lui faire 4 dégâts, j'arrive à la tuer, donc ça va être mon objectif de la tuer avant d'arriver ici. Ok, donc j'ai 4 eh cartes avec finalement de l'argent et 2 cartes avec des dégâts. Bon, en l'occurrence, je ne vais pas pouvoir la tuer. Hein, je dois faire tous les dégâts d'un coup. Je n'ai pas d'autre salle à scanner parce qu'il n'y a pas de carte. Donc ces cartes-là, j'en ai rien à faire. Par contre, j'ai 4 euh, points euh, d'argent. Donc je peux acheter eh bien, le Medical Attention qui me permettrait de me heal, de me soigner d'une blessure si j'ai déjà joué eh bien, un personnage survivant, donc un personnage euh, rouge, on va dire. Et puis si je la sacrifie, si je la tue c'est-à-dire que je la supprime totalement de mon deck, et eh bien je peux supprimer une autre de mes blessures. J'ai aussi une autre possibilité, c'est d'aller récupérer des sergents. Les sergents, ce sont tous les mêmes. Ils coûtent 3. Ils, ils vont me permettre d'avoir une puissance d'achat de 2. Et il y a une petite icône bonus, c'est pour ça que c'est caché. Cette icône qui me permettra du coup d'activer d'autres cartes. Ça c'est caché, ça coûte 3. Euh, je ne vais quand même pas l'acheter tout de suite, je vais acheter celle-ci, c'est un peu plus rentable. Elle a toujours cette possibilité d'achat de 2, mais en plus j'ai une petite chance eh bien, de soigner quelqu'un. Hop, je mets ma défausse bien à droite ici. Non, je vais même la mettre non, elle est bien à droite ici. Dès que j'ai acheté quelqu'un, eh je remplis hop, le marché. Et donc, je pioche 6 nouvelles cartes. Normalement, il m'en reste 6 parce qu'on commence avec 13 et que j'en ai eu 7 dans, dans le tour d'avant. Ok, ben, je pioche une nouvelle carte. Donc, celle-ci, hop, je la déplace. On se rappelle, en plus, au début de chaque tour, elle se déplace d'une case vers la gauche. Donc, il y a un creux. Mais c'est pas bien grave. Qu'est-ce qu'on a On a ici, moi j'aime bien je sais quoi les séparer. Hop, je les joue direct parce qu'elles n'ont pas de pouvoir. 3 d'achat et 3 de griffure. Donc les 3 griffures, j'appelle ça des griffures, mais 3 dégâts, je ne peux toujours pas les faire. 3 d'achat, et eh bien je ne peux rien acheter à part le sergent. Donc je vais acheter un sergent. Hop Et je défausse. Ma défausse est vide. Donc. Ma pioche est vide, pardon, donc je remélange ma défausse et puis je vais repiocher 6 cartes. Vous voyez, c'est ultra simple. Tant que les ennemis sont là, eh bien, pas de dégâts. Quand ils sont là, ils me feront des dégâts. Et en attendant, bah, je joue très simplement. Je joue toutes les cartes de ma main, même si je ne les ai pas jouées, eh bien, elles vont dans la défausse. Hein. Je ne les conserve pas d'un tour à l'autre. Hop, donc début du tour, celle-ci à l'avance d'une case. Hop, celle-là, elle est déplacée d'une case. Et cette carte-là, je elle apparaît ici. Donc là, il va falloir que j'essaie de le tuer quand même assez rapidement. Pour l'instant, je n'ai pas énormément de quoi lui faire des dégâts. Deux d'achat, alors ça c'est ma nouvelle que j'ai achetée. Coordinate, ça veut dire que quand je joue en multijoueur, je peux la donner à un adversaire, un adversaire, à mes collègues, qui, aura, qui la jouera le tour prochain. En solo, eh bien, soit j'utilise, ça me rapporte deux capacités euh, d'achat, soit je la défausse et j'en pioche une autre pour compenser. Sachant que là, j'aurai que deux d'attaque. Deux euh, même si j'en pioche une troisième à la place, ça ne me changera pas grand chose. Donc je vais la jouer pour avoir 2 3 4 5 5 de puissance d'achat 5 de puissance d'achat et eh bien je vais prendre l'autopsie ici à la 3 d'attaque c'est vraiment pas mal hop je remplis directement et puis comme c'est pas très agréable de jouer debout je vais m'asseoir j'aurai plus trop de contrôle sur le reflet sur les cartes en espérant que ça soit quand même correct et donc je repioche 6 cartes bon, de toute façon vous avez l'habitude des jeux slivés sur d'autres chaînes moi je le fais pas souvent sauf pour les deck building Hop, ça, ça avance, ça, ça avance, ça, ça avance. Et elle, shtac, au prochain tour, eh bien, elle ira dans la zone de combat. Donc, il va falloir quand même commencer à essayer de la tuer. Alors, une attaque. Un heal, deux attaques. Enfin, un heal, euh, une capacité d'achat. J'ai ma carte spéciale qui me permet d'aller scanner. Eh bien, écoutez, je vais scanner celle à 4. C'est quand même euh, la plus chère à scanner. Donc, je vais faire ça. C'est un événement. Alors, déjà, j'avais le droit de piocher une carte hein, avec euh, mon scout. L'événement, eh bien, on regarde ici. Joe a strike. Eh bien, je pioche une blessure. J'ai de la chance. Ça me dit que celle-ci ne me fait aucun dégât. Moi, j'ai 10 points de vie. Hein. C'est symbolisé ici. Les 5 d'armure, c'est pour un mode de jeu qu'on ne peut pas jouer en solo. J'ai 10 points de vie. Si je dépasse les 10, je suis mort. Ensuite. Si la carte Event est révélée dans la zone de combat, eh bien je pioche une strike, une blessure supplémentaire. Là, ce n'était pas le cas, c'était au niveau euh, du conduit de ventilation. Parfait. Bon. J'ai euh, donc une autre truc d'achat. Et j'ai ça. Je peux heal une de mes blessures. En l'occurrence, je n'ai pas de blessure, donc ça ne me sert à rien. Ok, donc j'ai que 3 pour faire des dégâts. Donc je ne pourrai pas. Donc je vais aller scanner cette pièce-là, écoutez. Hein. Euh, plutôt celle-là. Parce que comme ça va probablement bientôt se déplacer, celle-ci ira en deux. Donc je vais plutôt scanner la plus chère, Biohazard. et bien là c'est un peu <laughs> dangereux. c'est euh, cette carte là qu'on va regarder. Quand on est encore dans l'objectif 1 et bien le hasard c'est qu'on va piocher trois facegger qui sont ici. On va les mettre, on va les mélanger dans ce deck là et bah, au moment où on les révèle et bien un face bah ça vient directement devant nous et dans ce cas- là j'ai mon tour et le tour d'après pour le tuer sinon eh bien, je suis obligé de mettre un chest burster dans mon propre deck, dans ma pioche. Et quand je le pioche, ben, je suis mort directement parce que eh bien, le chest burster, en naissant, eh bien, me transperce le thorax, hein, comme sur l'image. Donc voilà, trois face dans cette grosse pioche. c'est pas énorme, mais quand on les pioche, il faut être sûr de pouvoir s'en débarrasser immédiatement ou au tour d'après. Alors, ils n'ont que trois d'attaque, mais attention! Hein. Si j'en pioche deux sur le même tour parce que euh, la pioche, le mélange fait que et que j'ai pas de quoi les, les attaquer, ça peut aller vite. Hein. Alors l'avantage, c'est que je sais a priori, sauf si je suis extrêmement long à valider cet objectif, mais non, c'est pas possible qu'il n'y aura pas plus de sugar. Hein. L'événement, le danger euh, de l'objectif 1 se validera qu'une seule fois. Ok, donc j'avais scanné ça. Hop, je défausse avec ça. Il me reste 4 d'achat. Donc je peux acheter euh, Part of the Family ou Bait for the Beast. Ça, ça permet d'éviter la, la, la prochaine blessure qu'on prend, donc c'est plutôt bien. Et ça, ça permet, si je la supprime, d'avoir un plus 2 en attaque. Pour l'instant, je vais la garder. Je vais me permettre plutôt d'avoir la possibilité eh d'éviter euh, un dégât. C'est quand même important, surtout au début, où notre deck n'est pas encore ultra, ultra efficace. Hop Allez, je pioche 2, il m'en manque 4, donc je remélange la défausse. Alors, le jeu est peut être un peu long. Vous avez l'habitude, sur ma chaîne, que les vidéos soient assez courtes. Là, il n'y a pas de temps mort, mais c'est vrai que les parties sont un peu longues, surtout en fonction de, euh, bah, de la vitesse à laquelle les objectifs sortent. Hein. Hop, ok, j'ai 6 cartes. Donc, on ramène quelqu'un ici. Cette carte-là n'avance pas. Ça avance que si ça vient pousser par d'autres cartes. Donc, il restera bien un trou ici. Par contre, lui, son, euh, son, euh, sa, sa, sa capacité, eh c'est qu'elle avance quand même d'un tour à chaque fois. Hop, plus à droite. Pourquoi jamais la plus à droite Parce que c'est la carte la plus à droite dans la zone de combat qui attaquera d'abord, puis la deuxième, puis la troisième. C'est important parce que certaines cartes ont des petits bonus supplémentaires en fonction des attaques. Ok, alors j'ai aucune capacité d'attaque. Ça, ça va être un petit peu chiant. J'ai que un d'attaque. Donc je n'ai vais rien pouvoir à faire contre le xénomorphe. Donc il m'attaquera. Par contre, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, et j'ai 6 d'achat. Donc je vais acheter celui-ci. Très sympa qui va me permettre finalement de regarder les trois premières cartes de mon deck. Si j'ai déjà joué une carte eh bien, euh, de ce type-là, et finalement d'en eh tuer, de la tuer, d'en tuer une en tout cas, d'en défausser une, et d'en mettre une en dessous. Donc ça va me permet d'épurer un peu mon deck, de faire un peu plus eh bien, ce que je veux avec. Hop, bon, et eh bien du coup, il m'attaque, on pioche une carte, il me fait un dégât. Les dégâts, je vais les mettre ici à gauche. Les dégâts blancs, je pourrais les soigner. Attention, il y a des dégâts rouges qui sont imparables. En l'occurrence, ce n'est pas le cas. Ok. Allez, ça, ça avance, ça, ça avance, ça, ça reste là et ça, ça ne bouge pas non plus. Par contre, il faut que je remplisse ça. Allez là, je joue direct ça, qui va me permettre de piocher directement une carte et puis de scanner n'importe quoi dans mon tour une seule fois une de ces cartes-là. Donc je vais attendre un petit peu. J'ai un d'attaque, j'ai euh, quatre d'attaque. Alors si au moins un personnage ou a skills draw Joe car Donc s'il y a au moins un Personnage qui est mort à ce tour là, eh bien, je pioche rien de plus. Là j'ai 2 d'achat, encore un d'attaque. Et ça, bah, je, vais je vais le garder pour acheter. Alors un personnage tué, finalement, c'est un personnage que je défausse, que je tue totalement, que je supprime de mon deck. Donc pour l'instant, ça n'arrivera pas à ce tour-ci. Hein. Donc j'ai 5 d'attaque. Bah, clairement, je vais dépenser 4 sur ces 5 pour tuer cet ennemi-là. Hop, je le mets ici au niveau des ennemis morts. Il me reste 1 d'attaque. Je ne peux rien faire de plus, donc ça c'est réglé. Et ici j'ai 4 d'achat. 4 d'achat, et eh bien je vais prendre encore celui-ci, enfin encore celui-ci, c'est que la première fois je crois, mais ça va me permettre finalement de scanner des rooms. Alors attention à ne pas trop m'éperpiller au niveau des différents types de cartes, hein. c'est bien d'essayer de comboter, d'avoir que des rouges ou que des vertes ou que des jaunes. Partir sur deux types, ça peut être ok. Est-ce que j'ai vraiment besoin de scanner autant bah, Scanner plus, ça permet d'aller plus valider les objectifs ça me fait gagner un petit peu de. ça me permet d'éconiser un petit peu d'attaque. Donc oui allez je vais prendre celui-ci, histoire de scanner quand même un petit peu. Hein. Ok, allez, j'en pioche 6 de plus, 4, hors mélange tout. Donc je pense que vous avez vu, hein, le jeu est très simple. Ce qui est sympa, euh, le temps que je défausse, bah, c'est finalement ce côté d'exploration, de ne de pas savoir ce qui va nous tomber dessus. Les facehugers qui sont piochés dans la pioche là. Cette pioche là d'ennemis de, de, qui peut être sympa, à tout moment ça peut me retomber dessus. Et ça peut aller vite, hein. j'ai que 10 points de vie. Alors, un d'attaque. Déjà, hop, on n'oublie pas de tout faire avancer et de rajouter une carte. Donc là, si jamais j'ai déjà joué une carte de ce type-là avant, eh bien je pourrais éviter la prochaine strike. Normalement, je ne devrais pas prendre de blessure à ce tour-là, mais on ne sait jamais hein, les cartes qu'on peut révéler. Donc je joue ça là, là, là et là. Bon, bah j'en ferai pas grand chose. J'ai 4 d'attaque. Alors 4 d'attaque, je vais utiliser 2 pour révéler cette carte-là. C'est quoi ben, C'est encore le... Xénomorphe qui va avancer rapidement. Il ne me reste plus que deux d'attaque Je les avais gardées pour potentiellement pouvoir attaquer ici, si c'était un tout petit, en l'occurrence, ce n'est pas possible. Les deux d'attaques restants, je ne peux rien en faire. Et j'ai trois d'achat. Eh bien, je vais prendre un sergent, qui sera un sergent avec le petit icône de tech. Alors, il y a ça qui vient pousser toutes les cartes. Et lui, hop, il pop ici. Il va m'embêter. Alors, qu'est-ce qu'on a Ça, c'est de l'achat. Ça, c'est de l'achat. Trois d'achat. J'ai ça, là. Mes trois d'attaque, ça va être bien. Plus le barcode, euh, de, euh, le code-barre euh, du CMO Clemens. Si j'ai déjà joué une carte intelligence, je viens de la jouer, je peux scanner n'importe quel room. Eh bien, je vais le faire. Hop Je scanne celle-ci à 4. Eh bien, j'ai trouvé un des frères Browser. Un des frères Browser. Un des frères disparus. Pardon. Quand je le révèle, si le frère disparu est dans le complexe, qui est ici ce qu'il cas, je ne bouge ici dans la zone d'opération. Sinon, eh bien je dois le tuer s'il si est dans la zone de combat. Et quand il est dans la zone d'opération, si je paie deux étoiles, les trucs d'achat, eh bien je l'ai euh, secouru, il vient dans ma pioche à moi, dans ma défausse en l'occurrence, et bah, c'est 1 sur 2 au niveau des objectifs. Donc bien sûr que je vais le faire. Et enfin je joue cette carte-là hein, qui me permettra de soigner. Mais euh, malheureusement. Je ne peux pas me soigner parce que je n'ai pas encore utilisé, jouer de cartes avec cette icône rouge sur ce tour-là. Donc eh bien, euh, clairement, je dépense 2 pour aller lui eh bien le mettre dans ma défausse. Il me reste 3. J'ai 3 d'achat, je vais en profiter pour prendre ça ici. Hop, c'est un sergent avec une technologie, avec l'icône bleue, je ne sais plus ce que c'est. Donc j'ai plus ça. Et j'ai 5 d'attaque. Et eh bien je vais tuer le xénomorphe. Il me reste un d'attaque que je perds. Voilà, bon, c'est bien. On a fait finalement la moitié de l'objectif. On a déjà supprimé deux xénomorphes qui sont un peu chiants. On n'a pris qu'une blessure. Et là, on ne se reprend pas plus de problèmes. Et en plus, je joue toujours tout de suite mon scout qui me permet de piocher une et de révéler une carte. Je vais révéler celle-ci en 4. Bah, coup de chance. C'était le deuxième frère disparu. Donc il va directement là. Ok. Alors j'ai deux d'attaque là. J'ai. Un achat, une autre attaque. Cette carte-là, dans tous les cas, même si je la joue maintenant, eh je n'ai pas joué d'autres cartes avec cette icône-là. Donc, je ne pourrais pas aller euh, regarder un peu ce qu'il y a dans mon deck. Mais ce n'est pas grave, je la joue pour les trois de puissance. Et je vais jouer ici le sergent à 2 au niveau de la capacité d'achat. J'ai 3 euh, d'achat, donc je peux payer 2 pour mettre le Missing Brothers ici. Je... Je le mets dans cette petite pile qui est ma défausse euh, temporaire. Tout de suite, j'ai validé cet objectif-là qui me demandait de, de secourir les deux, les deux frères. Donc, hop, je peux passer à la deuxième partie. The Beast is Out There. L'objectif, c'est d'installer la tête de Bishop dans le complexe. Donc, d'essayer d'installer... Alors, il y aura une carte objectif Bishop qui apparaît ici. Il faut que je la récupère et que je puisse l'installer dans le complexe. Ok, ben un d'achat, ça ne me servira plus à grand chose de toute façon. Et là, j'ai 3, 4, 5, 6. J'ai 6 de capacité de scan, donc je vais scanner celle-ci à 3. C'est encore un xénomorphe qui court, capacité, je ne pourrais pas le tuer parce qu'il me reste 3 d'attaque. Et ben, je vais scanner ici. C'est un event. L'event de la partie 2. Le prochain joueur, donc quand on est tout seul, le prochain joueur c'est moi, défausse une carte aléatoire de sa main qui coûte 1 ou moins. Sauf que, eh bien, j'ai déjà joué toutes mes cartes. J'en avais pas gardé en main. Donc, et moi c'est ce que je fais toujours, je joue toujours de toute façon toujours toutes mes cartes euh, tout de suite, donc finalement ça ne va pas m'embêter. Ce n'est pas ma prochaine main. Hein, dans la FAQ solo sur le jeu, c'est bien ma main tout de suite. Si j'ai déjà joué toutes mes cartes, eh bien, je n'en défausse pas plus. Donc c'est très bien. Hop, je défausse, ma pioche est vide, on remélange tout. Ok, allez, 3 de plus, on rajoute une carte ici. Celle-ci avance parce que le runner c'est sa capacité. Et voilà. Alors, un d'achat, deux d'achat, un d'attaque, un autre achat. Qu'est-ce qu'il me reste Deux cartes que je vais quand même pouvoir jouer ensemble, mais même si ça ne va pas m'aider. Je joue l'autopsie, trois d'attaque. Pour l'instant, aucun personnage n'a été tué ce tour-ci, donc je perds ce bonus. Et ensuite, je joue part of the family. Si j'ai déjà joué une carte avec ce bonus-là, ce qui est le cas, j'évite la prochaine blessure que je devrais piocher. En l'occurrence, je ne pense pas piocher de blessure ce tour-ci, mais c'est on jamais? Allez, j'ai 3, 4, 5, j'ai 6 au niveau de ma puissance d'attaque, et ben j'en dépense 4 pour tuer le xénomorphe. Et il m'en reste 2, ben, je vais révéler ce qu'il y a au niveau du laboratoire. C'est une des cartes drone parce que oui, on a des decks préétablis, mais on va ajouter dedans des cartes drones euh, qui sont finalement des cartes qui vont un petit peu rajouter un peu de complexité, un petit peu d'aléa entre chaque partie. Le mode de jeu normal nous dit de mettre qu'une carte drone par petite pile d'objectifs, donc trois drones en tout. En tout cas, un drone par joueur. En pratique, je pense qu'il faut peut-être en rajouter plus pour rendre les parties un peu plus compliquées, parce que le jeu était quand même assez simple. Là, c'est un ennemi, le xénomorphe acide spray, qui balance de l'acide. Il y a deux pour le tuer. Et quand, eh bien, euh, il sera tué, je serai obligé, eh bien, finalement, de tuer un de mes personnages. Un de mes personnages de ma main, ou que j'ai déjà joué ce tour-ci. Bien sûr que je garde toujours le bonus, l'attaque, l'achat si je l'ai pas encore dépensé. Ok, pas très embêtant. Fin du tour. Hop, on défausse tout ça. On repioche 6 nouvelles. Hop, ça, ça avance. Donc il faut que je trouve la tête de Bishop. Hein. Alors, un achat, une attaque. Hop, je peux tout de suite ces cartes moi. Et après on regarde ça. Je pourrais scanner une carte, une, une chambre, si une salle, pardon, si j'ai déjà joué cette carte là. Une à une... Si j'ai déjà joué une icône de ce type-là, sauf que je vois très bien dans ma main que ça ne sera pas possible. Donc je vais déjà la jouer. Hop, juste pour son, son bonus. Si je joue d'abord une attaque, une carte rouge, je pourrais ensuite avec celle-ci soigner une blessure. Pourquoi pas Et Ici, elle n'a pas spécialement de bonus. Donc je joue d'abord le frère disparu, qui a un bonus rouge. Puis, medical attention, je, 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 je peux soigner une des blessures d'un autre joueur. Ben, L'autre joueur, c'est moi. Donc, eh bien... Flash Wound, je peux le retirer. Et puis, euh, le Coordinate, euh, je vais le jouer aussi ici pour pouvoir acheter autre chose. Ok, bah euh, ça par contre, ce c'était pas de l'attaque, <laughs> c'était de l'achat. La, Donc j'ai 5. Eh bien, hop, je dépense 2 pour tuer ce drone-là. Et je dépense les 3 restants pour révéler ici à la Power Station. Encore un runner, il y en a plein. Ok, et j'ai 5. De puissance d'achat. Le frère Dylan, il a 5 d'attaque. Par contre, l'inconvénient, c'est que tous les dégâts de cette carte doivent être joués contre, le seul, contre un seul ennemi. Et je ne peux pas l'utiliser pour scanner. C'est un inconvénient, mais pas tant que ça, elle est quand même plutôt forte. Donc je vais la prendre avec grand plaisir. Hop, et je remplis instantanément. Attention, on se rappelle, il y a trois face. Hein. Je peux les piocher. Donc il faut être sûr finalement. Peut-être que mes achats, il faut que je les fasse avant d'utiliser mes dépenses pour pouvoir vite me débarrasser des facehuggers. Hop, allez, on avance. On n'a toujours pas trouvé la tête de bishop, mais on n'est pas en retard, on est plutôt bien même. Alors de l'achat, de l'attaque, de l'attaque et de l'achat. Voilà, ça fait déjà deux de jouer. Je vais pouvoir jouer. Hop, le frère disparu pour aller tuer lui. Hein. Ça me fait déjà quatre d'attaque, donc je peux supprimer le runner et je rajoute mon sergent ici. J'ai quatre d'achat. Eh bien, je vais acheter ça. C'est deux d'attaque et je peux la tuer définitivement pour finalement gagner un petit bonus de plus +2 pour me débarrasser rapidement d'un ennemi qui m'enquiquinerait. 5. Allez, on mélange tout. J'en avais combien 5. OK, il y a tout qui avance. Hop, parce qu'il y a cette carte là qui arrive. OK. Et eh bien j'ai tout de suite celle-là, ma carte de scout pour piocher. Et je pourrais scanner. Alors je vais attendre un petit peu avant de scanner. Je vais déjà placer quelques cartes. Ça je peux la mettre là. Ça c'est de l'achat. Je vais vite hein, parce que vous n'êtes pas bête. Vous comprenez bien combien, comment fonctionne un deck building. J'espère vraiment qu'au niveau des reflets ça va. Mais bien sûr que j'allais pas <laughs> décliner toutes mes cartes. Euh, alors je vais jouer l'autopsie. Toujours personne tué donc tant pis je ne piocherai pas. Mais c'est pas grave parce que je peux jouer juste après l'internal exam, et comme j'ai déjà joué une carte avec cette icône-là, eh je peux regarder les trois premières cartes de mon deck. Et Je vais en tuer une, en défausser une, et en mettre une tout en dessous. Alors, eh bien, je vais tuer le grunt qui a que 1 Alors, je vais les tuer, mais attention, si au moins un personnage a été tué sur ce tour, piocher une carte, il faut que ça soit fait avant que je joue l'autopsie. Donc, eh bien, tant pis pour moi. Je J'en défausse une. Et j'en mets une en dessous. Bon, bah je vais défausser euh, le truc qui me permet de soigner. Parce que pour l'instant, eh je suis tranquille. Et puis, je vais mettre l'autre euh, tout en dessous. Voilà. Donc là, j'aurai 5, 6, 7 d'attaque. Est-ce que oui, je vais rajouter ça pour pouvoir acheter une nouvelle carte Je vais d'abord acheter. Je vais racheter un, un Bait force. the Beast. Comme ça, je vois s'il y a un Facehugger. Non, pas de Facehugger. Et donc, j'ai 7 d'attaque. Euh, je vais d'abord révéler ici pour 3 hop donc je retire juste ça pour me, me rappeler que j'ai plus que ça de, au niveau de l'attaque, event euh, le prochain payeur donc moi je dois défausser un personnage aléatoire de ma main qui coûte 1 ou moins bah tant pis j'ai déjà joué également mes cartes hein. en solo finalement euh, on va souvent avoir déjà joué toutes nos cartes c'est surtout un multijoueur où ça va nous embêter hop et du coup il me reste 4, et eh ben, écoutez je vais révéler ici la ventilation avec les 4. Et qu'est-ce que c'est C'est le xénomorphe qui a une armure, il a 4, mais la première fois que je le tue, eh ben, je l'incline. Il faut que je le tue deux fois en fait. La première fois je lui fais juste sauter son armure. 3 et 3, hop, et du coup lui on le pousse et on pousse pas celui qui est ici, hein, au niveau de l'armurerie. Ok, alors je joue ça, un d'achat, un d'attaque, un d'attaque, un d'attaque. Et j'ai ma belle carte ici, là, le frère, le, 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 le frère Dylan, qui me permettra d'attaquer à 5, mais une seule personne en une fois. Et ça également qui me permettra d'éviter, puisque j'ai déjà joué une carte rouge, eh bien, la première, prochaine blessure. En l'occurrence, il n'y aura pas de prochaine blessure. Je dépense 5 pour déjà hop, incliner une première fois ce xénomorphe-là. Il me reste du coup 4 d'attaque ici, avec cela, pour hop, le faire sauter une deuxième fois. Et puis il me reste 1. Que je ne peux pas utiliser et un d'achat que je ne peux pas utiliser. Alors je connais en plus ce, je connais ce, ce niveau, hein, je l'ai déjà fait et je sais que le personnage à la fin, je dois le tuer plusieurs fois. Et il a six attaques. Donc finalement, un personnage qui a cinq d'attaque tout d'un coup, ça me va quand même très très bien. Alors deux d'achat, encore de l'achat, encore de l'achat. Lui, il a tout seul, il ne me servira pas à grand chose. Il me permettra d'avoir deux d'attaque, mais ça ne va pas me permettre de révéler. Alors. Je ne sais pas si j'utilise le coordinate pour piocher une autre ou si je l'utilise pour garder de la puissance d'achat. Ça me ferait 6. Ouais, si je vais l'utiliser pour avoir 6. Comme ça, je prends la sœur Ripley qui a 2 d'achat et 2 d'attaque. Elle est finalement polyvalente. Elle me va bien. En plus d'avoir une petite icône rouge qui me permettra de, de euh, potentiellement d'avoir cette capacité, la possibilité d'activer ma capacité de heal qui me nécessite d'avoir une carte rouge déjà jouée. Hop, allez, bah, mon attaque, je la perds. 4, 5, 6, il me manque 2. Vous avez vu, c'est très simple. Hein Là, je speed, forcément c'est une vidéo. Je pense que la plupart d'entre vous sont déjà partis à mon avis sur le jeu. Mais le jeu est excessivement sable à prendre en main. Et souvent, un peu sable quand même. Sauf si je fais une erreur de règle, mais dans ce cas, vous me le direz en commentaire pour ceux qui connaissent le jeu. Ok, alors je mets déjà ici la carte euh, d'achat. Je joue celle-ci qui ne me permettra pas de toute façon d'avoir d'autres trucs. Ça ici, 2 d'attaque. Hop Ça, le frère d'Ilon qui ne me permettra pas de, de, de scanner, mais qui aura 5 d'attaque, hein, on vient de la voir. Là, ce que je vais faire, c'est que le sergent, je vais le défausser pour ma fonction coordonnée solo, c'est que je la défausse pour piocher la première carte de ma main. Parce que finalement, j'aurai sinon, si je la garde, 3 d'achat, et il rien qui m'intéresse. Je n'ai pas envie d'aller chercher un sergent. Bon, en l'occurrence, j'ai récupéré un spécialiste, tant pis. Mais on va dire que ça améliore ma future main. Et donc, eh bien, euh, ça, je le joue. Par contre, je n'ai pas joué à ce tour-ci de personnage intelligence. Donc tant pis, je ne scanne pas. Par contre, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 de puissance brute, plus 5 que je peux utiliser sur un ennemi. 6, euh, plus 5. J'ai bien envie, quand même, de ne pas tout de suite scanner celle à 4, histoire d'avoir quand même une belle puissance d'attaque. Donc je vais jouer ici le Power Station à 3. 3. Donc il me reste finalement 6. Euh, 3 sur les six là. C'est quoi ici? Strike when you draw a new end at the end of the turn, draw another another fewer cards. Ah oui. Donc quand il va pouvoir ma, avoir la capacité de m'attaquer, je piocherai une carte de moins. Il a que 3 d'attaque. C'est jouable. Je vais utiliser mes 3 derniers pour aller révéler une autre carte, est celle ci qui a 3. C'est l'acide. Bon, ok. Donc tout ça c'est euh, joué, bah, je vais utiliser les cinq sur une seule carte, en l'occurrence, et je vais l'utiliser sur le screecher. Je me demande si le, le xénomorphe euh, euh, en armure, je l'ai bien tué deux fois. J'ai fait deux fois dans le même tour, oui je crois, mais je ne suis pas sûr. Hein. Je me demande si j'ai pas fait une petite bêtise. Tant pis, vous me direz. Alors hop, ça, ça avance. Et ici. Bon, il est où ce. cette tête de Bishop là. Bon, je pas défaussé. Alors ici, pour l'achat, un grunt, un deuxième grunt. Donc je pourrais déjà aller défausser ça. Euh, de l'achat et de l'achat, ça me ferait 6 d'achat. Ouais. Je vais jouer les 6 d'achat pour prendre eh bien, encore l'examen interne qui me permettra d'un peu épurer mon deck. Et je révèle pas de faceger. Donc j'ai deux d'attaque, et eh bien je vais attaquer le xénomorphe qui balance de l'acide. C'est rigolo, c'est une carte drone, j'ai eu deux fois la même carte drone. C'était mélangé, mais écoutez, hein, c'est comme ça. 3-3, hop, ça avance, ça avance. Alors, hop, le spécialiste pour l'achat, le grunt. Alors, celui-là, je le joue comme ça, le bait for the beast, parce que il active pas un bonus en fonction des icônes. Je vais déjà jouer la sister replay. Puisque c'est peu probable finalement que je pioche une blessure à ce donc je préfère l'activer d'abord. Pourquoi Parce que dans ma main, j'ai celle-ci. Si j'ai déjà joué une carte rouge, ah bah ben j'avais déjà joué une carte rouge. Et puis finalement, j'ai déjà joué une carte rouge, donc je pourrais quand même éviter une strike, j'avais pas fait gaffe. Alors en tout cas, je peux regarder les trois premières cartes de mon deck. Et comme tout à l'heure, en supprimer une, en défausser une. Ben je supprime déjà le sergent là. Je défausse le coordonnate, hop, le sergent. Et puis je mets le frère disparu en dessous et puis je joue ici l'autopsie, alors j'ai gros gros gros, grosse puissance d'attaque 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11, bah écoutez je vais révéler 2 ici il me reste 9 alors c'est quoi la première terme qu'on le tue ah oui c'est le, c'est l'armure la... alors, alors je casse juste ça déjà pour me rappeler qu'il me reste ça en attaque bah écoutez euh... 6, 7, 8, 9 je vais utiliser, hein non je vais utiliser déjà 4 au moins une fois pour l'incliner est-ce que je le termine finalement ou est-ce que je scanne une autre partie Je scanne, oui, je vais scanner. Hop Le weapon. C'est quoi C'est un screecher Ok. J'ai scanné pour 3. Il me reste que 2 finalement au niveau, euh, au niveau de l'attaque. Donc, soit finalement je le sacrifie et il disparaît. Soit j'attends. Tour de plus, tour de plus. -ce à ce que j'aurai 4 d'attaque à ce tour-ci Moyen, il hein, y a moyen, oui. Donc je, je, vais pas, je vais garder mes deux là. Je ne vais pas tout de suite défausser. Je préfère le garder pour le boss. c'est on jamais. C'est pas très risqué pour l'instant, j'ai quand même un peu de marge. Hop, il me manque une carte dans ma main. Alors forcément, les ennemis deviennent de plus en plus compliqués. Les derniers ennemis sont un peu plus chauds. C'est là où ça peut, ça, peut, ça peut un peu casser. Mais je pense que j'ai un bon, une bonne pioche quand même pour l'instant. Ok, alors lui, alors je le relève un peu pour me rappeler. Je vais mettre comme ça que je l'ai à moitié tué. Parce que si je l'incline, ça va prendre de la place, ça va bouger les autres cartes. Donc je joue déjà ça à deux d'attaque. Ça me permettra d'acheter ça, ça, ça. Et puis ma carte de base qui me permet de piocher et une fois par tour de scanner. Je vais scanner après. Alors j'ai combien D'achat, j'ai 5. 3 plus les deux d'ici. 5 d'achat. et eh bien, je vais en profiter pour racheter à nouveau Bait for the Beast. Hop donc maintenant, on attaque, j'ai 5. Bah écoutez, hein, je vais utiliser. Je vais l'utiliser pour tuer le xénomorphe. Hop Alors plus les cartes commencent à cumuler, plus ça peut venir. Ah, alors j'ai pas scanné une carte par contre, j'ai pas scanné, j'avais une possibilité de scanner, donc je scanne le 4 qui est du coup, eh bien encore un comme je viens de tuer, qui a cette armure. Oui, pas, pas oublier de scanner quand même. Ok, j'ai pioché mes 6, tout ça s'avance. Ça donc forcément, je disais, quand il y a les 5 cartes. Et eh bien, finalement, il y a du cumul. Hein. Ça va vite stacker en zone de combat. Mais si on arrive à scanner au moins un personnage par tour et en vider un, on est tranquille. Ok, le Grunt, je le mets là. Un d'attaque. Hop, lui, je le mets là aussi. Le Missing Brothers. Je vais du coup jouer lui. J'ai déjà joué une carte rouge. Donc, je peux aller chercher les trois premières cartes de mon deck. Vous l'avez compris. En supprimer un. Aïe Les trois sont bien. Bah écoutez, la moins bonne c'est celle qui me permet de. Aïe Bah celle qui me heal, hein, c'est la moins bonne quand même. Je vais défausser bah, celle qui permet encore d'épurer mon deck et je vais mettre le gros, le gros hit en dessous là. Mince C'était pas un super coup cette fois-ci. Dommage. Euh, allez, bah du coup, je peux jouer celle-ci. J'ai tué un de mes personnages, donc je peux piocher. Cette fois-ci, j'utilise le bonus. Hop, c'est celle-ci que j'aurais aimé tuer. Allez, je vais mettre les coordonnées ici. J'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 d'attaque. J'ai 5 de capacité d'achat. 5 de capacité d'achat. Ouh, celle-là, elle est pas mal. Hein. Elle de 7, ça permet d'aller racheter un, un personnage acheté. Euh, un personnage euh, qu'on a tué. Elle est pas mal. Il faut 7 d'achat. Donc là, on a dit que j'ai 5. Je vais quand même jouer ça qui permet d'éviter une blessure. Ouais. Hop. Ça coûte 3, il me reste 2. Et il y a un face qui apparaît. Hop. face il vient directement vers moi. Donc je dois le tuer. Ceci dit, c'est que 3. Je dépense tout de suite cette carte-là, entre guillemets. Hop. Le face il va dans la zone des ennemis tués. C'est déjà débarrassé. Et du coup, il me reste 6. Pour 6 euh, d'attaque, eh bien, tout simplement, je vais. Bon, lui, je vais attendre, je vais le laisser aller ici. J'ai 6. Donc écoutez, je vais dépenser 2 pour révéler le Medlab. C'est la tête de Bishop. Quand je l'ai révélée, elle vient dans les opérations. Je peux dépenser 3. Sauf que j'ai déjà fait mes achats d'ailleurs. Une fois que j'ai révélé le Face hop Ah ouais Quand on révèle le Face il y en a un deuxième qui vient. Ok. Bon, c'est pas grave. Et euh, si je paie 3, eh bien je peux aller l'attacher quelque part, à une case vide. Sauf que j'ai déjà finalement dépensé mes 3. Donc je pourrais plus l'attacher. Et puis, euh, quand il est attaché au niveau du complexe, si je dépense 3 d'argent, eh bien, je peux scanner la salle. Finalement, il dépensait d'attaque. Bon, c'est pas grave, j'ai un peu mal fait les choses. Euh... Ah bah non, attendez. J'ai tué le Je avec ça. J'ai dépensé 2 pour scanner. Donc finalement, il me reste 3 d'attaque. Je vais tuer le facehugger avec, avec lui. Hop. Finalement, ça s'en sort bien, il me reste 1 d'attaque, on n'en fait rien. Et au niveau de ma capacité d'achat, j'avais déjà bien tout utilisé pour avoir les 5. Ok, parfait. Allez, je repioche 3. En plus, l'avantage d'avoir finalement libéré le Medlab, c'est que lui, il n'avance pas. Hein. J'aurai encore un petit peu de temps pour le tuer. Idéalement, d'ailleurs, c'est surtout ici que j'arrive à faire de la place pour aller mettre la tête de Bishop. Parce que là, ben, c'est assez facile à scanner. Il vaut mieux aller euh, la caser là-bas. Ok, ok. Alors, bah, pour le coup, je vais avoir une capacité. Je le garde en main pour l'instant. Déjà deux d'achat. Un grunt. Mon bait for the beast. Ça, je ne pourrais pas les scanner parce que je n'ai pas joué d'autres icônes. Alors, du coup, je ne vais pas le jouer. Dès que j'ai passé la place, la, la tête de Bishop, j'avance à l'objectif d'après. Hein. Mais j'aimerais bien plutôt aller faire de la place là-bas. Alors, est-ce que je, je défausse le sergent pour piocher une autre carte Mais attention qu'il faut que j'ai quand même l'argent pour aller placer la carte. Hein. Bon allez, je la défausse. J'en pioche une nouvelle. Un grunt. Un grunt tout pourri. Bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 d'attaque. 6 d'attaque et dans tous les cas, je ne pourrais pas payer 3 parce que j'ai que 2. 6 d'attaque. Je vais tuer lui pour 3. Hein. Je vais tuer lui pour 3. Et puis, oups là. Et puis il me reste 3, donc je vais scanner lui. C'est un event. Et l'event, on est toujours... Alors l'event, c'est... On est toujours ici. Euh, je dois défausser une de mes cartes, mais en l'occurrence, j'ai déjà tout défaussé. J'ai déjà tout joué. Ok. Donc là, finalement, c'est bien. Parce que cette carte-là va avancer. J'aurai comme même lock qui sera vide. Donc je peux aller placer mon Bishop là. C'est pas le meilleur endroit, mais au moins ça me fait avancer, ça me fait progresser quand même. Et finalement, j'ai peut-être... À pas mal de tours, je n'ai peut-être plus forcément acheté grand chose. J'ai plutôt à vouloir acheter ces grosses cartes que des petites pourries. Donc euh, s'il y a des mains un peu sales où j'ai trois... où j'ai trois d'achat, bah... C'est mieux que rien. Plutôt que d'acheter un truc nul ou de perdre cet argent. 45 minutes déjà Ouais. Partie un peu longue comme d'habitude. Alors, bah, je vais déjà jouer cette carte-là qui me permet bah, de dépenser 5 sur 1. Hop, tac. Donc lui, je l'ai déjà tué une fois. Je peux déjà la mettre un peu de côté, mais pas trop parce qu'on se rappelle qu'on a cette icône-là. Je mets le bait for sister. Je joue ça qui me permettra d'éviter une autre carte et eh bah ben, écoutez je vais déjà dépenser les quatre là pour hop supprimer ça voilà j'aurai la place est ce que j'ai pas oublié déjà hop d'avancer de rajouter une carte aussi hein. je vais aller un peu vite ouais c'était ça c'était ça j'ai oublié d'avancer une carte euh, il me reste du coup deux d'attaque ici pour éventuellement les scanner et là j'ai trois d'achat bah les trois d'achat je les prends tout de suite comme ça hop je place la tête de bishop ici et maintenant je peux dépenser pour scanner ici je passe directement du coup au dernier objectif qui va être de tuer la bête la bête qui va devoir arriver et plus j'aurai joué de cartes event et les cartes event il y en a quatre bah je sais qu'elle aura cinq vies alors une vie plus une vie pour chaque carte event donc je vais devoir la tuer cinq fois donc le plus tôt elle apparaît le plus tôt la partie sera facile parce que si je dois me taper tout le paquet de cartes et il reste encore un tiers et eh ben ça va être long ici si j'ai deux euh, d'attaque deux bah, écoutez je vais scanner le medlab qui est le danger Danger, ben je viens de passer en objectif 3, donc quand c'est le danger, je dois tuer tous les personnages qui sont au niveau du Headquarter, au niveau du QG. Donc quand j'ai tué tout le monde, eh bien je rafraîchis ce qui veut dire que j'aurai peut-être un Facehugger qui va pop. J'en ai déjà tué 2 sur les 3, donc normalement il n'y en a plus beaucoup. Hein. Et surtout la, la grosse carte à 7, là, qui me plaisait bien, eh bien, je ne l'ai plus. Okay. Et Zen, je shuffle, alors on va mélanger les cartes hasard dans et eh bien, les, la hive, la ruche, en fait, l'objectif étant de faire pop mes face hein, si jamais ils n'étaient pas encore apparus, mais j'en ai pioché de suite, donc ça va, bah, je m'en sors pas trop mal. Et ben bah voilà, on défausse ça. Hop, on a quand même chance que la partie devrait être finie dans un quart d'heure. Ça, ça avance, du coup, ça me coûtera 3 à révéler, parce qu'il y a la tête de Bishop, hein, qui est un Android, on se rappelle, qui est accroché. Alors, un grunt, euh, un autre grunt, tac, mes capacités... D'achat, j'ai ma carte Scout qui me permet de piocher un Grunt et de scanner. Eh bien, euh, je vais d'abord jouer le Sergent, hein, j'ai plus rien en main. Je vais déjà scanner celle à 4, ici, qui est Balabette, justement le boss de fin. Quand il on la révèle, il y a un écrit de mettre toutes les cartes Event en dessous. Et donc quand la bête est censée être tuée, alors j'ai de la chance, hein, elle était dans le haut de la pioche des niveaux 3, la partie serait un peu plus courte que prévu, c'est cool. Quand eh bien je suis censé l'avoir tuée et que je lui ai fait 6 dégâts, en fait je retire une carte événement, donc elle a donc euh, 5 vies. Euh, et du coup, là je peux dépenser 3 pour aller scanner cette carte-là. Est-ce que je ne veux pas plutôt garder les cartes pour aller acheter une carte Ça c'est plutôt pour acheter, ici pour aller défausser des cartes. Non, celle-là m'intéresse finalement pas trop. Il n'y a que celle-là qui m'intéresse bien. Donc écoutez, je vais euh, dépenser donc, bien mes 3 pour aller révéler ici. C'est le xénomorphe euh, Screecher qui en plus a 3 d'attaque. Et bah ça tombe bien. Pas 3 points de vie parce que j'ai tout pile 3 d'attaque. Donc parfait, ça tombe bien. Ok, ici ça avance. La bête, hop, elle avance. Donc c'est peu probable que je l'ai tué avant qu'elle arrive ici. Mais si j'ai déjà réussi à lui retirer 2-3 vies, hein, c'est pas mal. Genre, je suis toujours full live, hein, donc on est bien, on est franchement bien. J'ai même plus forcément besoin de scanner le reste. Hein. Je vais déjà mettre mon grunt, mon spécialiste là-bas. Là, euh, là j'ai le barcode, mais je n'aurai pas de pas la possibilité de le de le, le, quoi Peut-être que si je défausse si je défausse le sergent, hop, je joue déjà ça, puis ça, donc je pourrais éviter la prochaine blessure. Euh, bah non, je vais jouer ça, je vais jouer le sergent. Oui, ça me va. Du coup, là j'ai 6 d'attaque. Hop, tout pile pour la bête, donc je supprime une des cartes événement. Il me reste un d'attaque, je n'en fais rien. 3 d'achat, je ne vais rien acheter. J'ai pas, en envie, pas envie de faire pop le face to girl, j'ai que cette carte qui m'intéresse mais qui coûte 5. Hop, donc tout ça, ça avance. J'ai oublié de prendre ma main de carte. Mais on lui a déjà retiré finalement 20% de sa vie. C'est bien. Comme dans un combat de boss, on a déjà pas mal progressé. C'est clairement pas le boss le plus dur. Comme c'est que des, 6 points de vie à chaque fois, certes, il faut le tuer plusieurs fois, mais c'est accessible. Le, dans le niveau 2, dans Alien, uh, Aliens, il y a, je crois qu'il a 12 points de vie. Le méchant, c'est déjà un peu plus costaud. Il faut vraiment avoir un deck qui permet de, de bien le faire. Ok, bah alors je joue déjà les frères disparus. Là, je vais avoir une grosse attaque. Hop, les replays. Celle-là. Celle-là qui permet d'aller regarder les trois premières cartes de ma pioche de mon deck, et bien il y en a que deux, donc comme il y en a que deux, et bien je remélange pour qu'il y en ait trois. Alors ça, je suis jamais sûr quand c'est comme ça si je dois remélanger pour vraiment regarder ou si c'est que quand on pioche qu'on remélange. Pour bon, moi, c'est pas très clair, mais on va dire qu'on remélange pour que j'ai bien mes trois cartes. Peut-être qu'il fallait que je regarde juste les deux, je ne sais pas. Alors, et bien j'en supprime une, je tue celle-là, je défausse celle-là et je mets celle-là en dessous. Très bien, c'était que des 1 en plus maintenant. Hop Comme j'ai tué au moins un personnage ce tour-ci, eh je peux piocher une carte. Parfait, le frère Dylan qui permet de mettre 5 à la même personne. Et puis, ben, encore une fois, je rejoue l'internet examen qui permet de regarder les 3 premières. D'en tuer une, ben, je vais tuer le scout. Je vais défausser... Euh, enfin le, le groun, pardon, je défausse mon euh, scout et je mets la partie de la famille tout en dessous. Là, j'ai la blinde d'attaque. Hein. J'ai... Lui déjà qui peut attaquer tout seul dans son coin, j'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20. Alors j'ai 15. Euh, 15, 20, oui, mais lui il est obligé d'attaquer sur lui. Donc je vais tout de suite utiliser pour mes 20. Lui il a que 6. Donc je lui retire 6 avec la carte event. A... J'ai plus que 20-6, j'ai plus que 14. Je redépense 6. Euh, donc il me reste 14-6, il me reste 8. Hop, je lui retire une carte. Je retire encore 6, il ne me reste plus que 2. Hop, il ne lui reste plus que ça. Et puis, ben, je vais révéler pour mes deux derniers d'attaque ici. Qu'est-ce qu'il fait, lui C'est celui qui m'empêche de piocher une carte. Enfin, celui qui me fait piocher une carte de moins à la fin du tour. Ok, bon. Ben, ça devrait vite être, vite être réglé. Hein. J'avais deux de deux, deux capacité d'achat, mais je n'en fais rien. Hein. La partie, pour moi, elle est pliée. Lui, il avance, lui, il avance, mais il ne reste plus que 6 dégâts. Donc, normalement, c'est terminé. Et si c'est pas terminé à ce tour-là, c'est celui d'après. Hein. Ok, alors, hop, je joue ça, 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 et je joue ça. J'ai 6, 7, 8, 8 d'attaque, j'ai tué la bête. Hop, et c'est la fin de la partie en 53 minutes avec les règles expliquées. Ça va, je m'en sors bien. Ça nous laisse 5 minutes pour parler de mon avis sur le jeu. On se retrouve tout de suite, du coup, pour mon avis. Et bien voilà, c'est une victoire sur cette Alien 3. Alors beaucoup de choses à dire sur ce jeu mais en fait pas tant que ça, vous l'avez vu c'est un jeu avec une mécanique de deck building très simple, ça pourrait très clairement être votre premier deck building, c'est très accessible, vous avez 5 cartes, 6 cartes pardon, vous les jouez ou vous les jouez pas, à la fin vous les défaussez, vous en reprenez des nouvelles, c'est assez simple, les actions dessus sont simples, l'iconographie est quand même claire, certes c'est en anglais mais c'est de l'anglais banal, c'est simple. Il n'y a pas énormément de mécaniques de combo, ça ressemble un petit peu à Star -in. Généralement, les combos, bas ça va être d'aller prendre toutes les cartes d'une même couleur, en tout cas d'une même type de, de famille, et ça va pouvoir un peu comboter. Le jeu est très simple, le jeu est même assez facile, en tout cas pour euh, le mode normal. Il n'y a pas d'autres modes en jeu de base, mais je sais que l'extension euh, a euh, proposé de complexifier un peu le jeu. Parce que là, pour l'instant, je vous dis, hein, j'ai fait six parties sur le jeu, j'en ai perdu aucune. Je trouve que les mécaniques bah sont assez simples et le jeu en ça est un petit peu décevant, c'est que je trouve ça trop facile. Libre à moi de rajouter plein de cartes drones pour rajouter des grosses bestioles, rallonger la partie et faire que ce soit plus compliqué. Mais ce qui est vraiment cool, c'est cette thématique. Alors, moi, Alien, je ne suis pas fan d'Alien. Je les ai vus, je n'ai même pas vu le 4. Le 3, je ne suis pas sûr de l'avoir vu et je suis le genre de mec qui préfère Prometheus euh, parce qu'il y a moins d'Alien, qu'il y a plus d'exploration de science-fiction que d'Alien. Bref, ne me, ne, me, ne me chahutez pas en <laughs> commentaire. Mais finalement ce que j'aime c'est vraiment cette mise en scène. Déjà on a notre plateau, notre, notre tapis de jeu qui, bah, qui fait tout le sale du jeu, quoi. Avoir un jeu et d'avoir ce, ce playmate, franchement c'est cool. Les illustrations sont chouettes, c'est un style très comics, mais assez violent. Et moi d'ailleurs j'ai des comics aliens et ça me va très bien. J'aime ce, ce thème-là. C'est assez thématique finalement d'avoir ces cartes. On ne sait pas ce quel danger on va avoir dans les pièces. On sait qu'on aura forcément des dangers, hein. on est dans haines mais on ne sait pas quel danger. Il va falloir déjà découvrir. Et puis il y a un truc qui va nous sauter à la gueule. Et puis bah là, on l'a assez peu vu. On peut avoir des facehuggers. Attention, il faut vite réussir à la tuer. Sinon, bah, on a un chest buster qui peut nous tuer directement. Thématiquement, ça marche bien. En plus, quand les aliens vont nous faire des dégâts, on ne sait pas exactement quels dégâts ils vont nous faire. On a ce petit stress quand on retourne la carte. Franchement, ça marche bien. Le jeu pour moi je le trouve vraiment très bien. Le jeu est juste trop simple, c'est ça le problème. Il va peut-être manquer un petit peu de rejouabilité sur le long terme parce que vous n'avez que 4 gros scénarios. Euh, si vous respectez la thématique, en plus vous n'avez que les mêmes paquets de cartes à chaque scénario, après libre à vous de mélanger, de prendre euh, la replay du premier épisode et la replay du deuxième épisode pour les mettre dans le même deck. Ça permet de varier un petit peu les plaisirs et je pense qu'il faut à terme faire ça, moduler le, 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 le headquarter là pour avoir des, nouveaux, des, nouveaux, euh, des nouvelles cartes à deck building. Parce que si vous prenez toujours à la disposition pour chaque film... Bah, les parties vont être un petit peu redondantes. Là, au moins, ça créera un petit peu de diversité. Mais pour l'instant, je suis toujours dans la découverte. Hein. Je n'ai fait que six parties. Donc, je suis toujours en train de respecter les propositions. En tout cas, voilà pour cette partie de partie. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez pu jouer et si ça vous plaît. Si ça vous plaît, il faudra passer par le marché d'occasion, bien évidemment. Nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!